Regardez comme c'est beau. Après les tontes, on a des jeunes pousses magnifiques de plantes que j'adore et qui se marient super bien. Ça, je vous en parle plus, l'ortie piquante, hein, la grande ortie, qu'on identifie sans se piquer grâce à ces deux petites languettes qu'on appelle des stipules, par exemple. Et là, la berce commune, un peu moins connue, qui va avoir des poils, un pétiole avec un canicule, on pourrait dire, un petit canal, des feuilles composées de plusieurs folioles, mais une seule fois composées, vous voyez. Et puis, il y a même des poils sur le dessus, sur le dessous. Voilà, très très intéressante à manger. Les deux ensemble, en pesto, en soupe, c'est un régal.